Bonjour les photographes. Alors récemment, je suis intervenu auprès d'un collectif de photographes qui m'ont demandé d'auditer leur flux de production de la prise de vue, donc à l'impression papier, en passant bien sûr par la prise en charge correcte des fichiers numériques. Alors globalement, mon intervention n'a fait que confirmer la qualité de leur production d'image avec uniquement quelques petites interventions, quelques petits ajustements de paramètres, en particulier sur la bonne gestion des espaces couleurs, la relation entre par exemple Lightroom et Photoshop pour éviter ce genre de message que nous avons tous connu, en tout cas au début, avant d'être correctement formés. Alors je ne vais pas ici développer une nouvelle fois tout ce qui correspond à la bonne gestion des espaces couleurs, puisque vous avez déjà sur cette très bonne chaîne une vidéo qui est disponible depuis 2 ans, donc qui est toujours en ligne, avec d'ailleurs une galerie dédiée à la bonne gestion des images, de la prise en charge des fichiers images jusqu'à l'impression, donc une galerie qui est très complète et visible gratuitement sur cette chaîne YouTube. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin dans le sujet, donc approfondir le thème, vous avez bien sûr une masterclass de plus de 3 heures qui est disponible en téléchargement sur mon site de formateur. Par contre, je remarque que malgré les interventions que je fais régulièrement auprès de certains collectifs, auprès de certains membres d'entre vous qui me questionnent régulièrement sur la bonne gestion des espaces couleurs, je sais que malgré toutes ces interventions, il y a encore beaucoup de personnes qui sont un peu perdues face donc à des choix techniques à faire devant donc une bonne gestion des espaces couleurs. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui une sorte de petite piqûre de rappel, car en quelques minutes, je vais vous donner donc on va dire les clés de base d'une bonne gestion des espaces couleurs pour éviter, encore une fois, de se faire piéger. Allez, c'est parti. Alors, pour illustrer mes propos et surtout avoir donc des mises en application concrètes de la bonne gestion des espaces couleurs, j'ai déréglé volontairement mon Photoshop, puisque je vous expliquerai à la fin de cette vidéo comment éduquer donc Photoshop, en tout cas comment faire en sorte que Lightroom et Photoshop, puisque je travaille principalement avec le combiné Lightroom et Photoshop, mais ces bonnes gestions de règles des espaces couleurs s'appliquent à tous les logiciels, donc peu importe avec quel logiciel vous travaillez. Pour bien illustrer donc ces fameuses problématiques avec ces fameuses alertes, j'ai déréglé mon Photoshop et je vais donc volontairement provoquer le problème, et ensuite je vous donnerai la bonne solution à la fin de cette vidéo pour ne plus avoir à faire à ces fameux tableaux. Donc j'ai cette prise de vue réalisée sur Lisbonne, et là je vais développer donc fichier exporter mon image en Profoto PSD 16 bits. C'est parti. Donc Lightroom développe très logiquement mon visuel, et là le fameux message d'alerte: le fichier 03 LR Filtre ND 64 One Shot contient un profil colorimétrique intégré qui ne correspond pas à l'espace de travail RVB. On le voit ici, le profil incorporé, donc Profoto RGB, c'est le profil que j'intègre au développement, car il ne faut pas oublier que tant que vous restez sous Lightroom, vous n'avez pas le choix de votre espace couleur. Il est imposé par la gestion de Lightroom, qui est donc, on va dire, une sorte d'équivalent de Profoto. Donc, c'est-à-dire que moi, je développe mon image vers Photoshop en intégrant cette fois-ci l'espace Profoto, puisque j'ai envie de bosser avec l'espace Profoto. Sauf que mon espace de travail par défaut, celui qui correspond donc à mon flux de production, c'est l'Adobe RGB. Et donc là, il pose la fameuse question: supprimer le profil incorporé, convertir les profils du document selon l'espace de travail, et vous avez la préférence ici, préférer le profil incorporé. Alors, première règle qu'il faut à tout prix intégrer, mémoriser. En réalité, il y en a deux qu'il faudra mémoriser. La première, il faut toujours privilégier l'espace intégré à l'image par rapport à votre espace de travail. Et c'est logique. Même moi, si dans mon flux de production, c'est-à-dire que Antonio Gaudencio a fait le choix technique de travailler uniquement avec l'espace Adobe RGB, je peux, dans certaines situations, soit développer en Profoto parce qu'il y a un besoin technique, soit de prendre en charge le visuel donc d'un collègue photographe qui lui a décidé de travailler en Profoto alors que moi j'ai décidé de travailler en Adobe RGB, pardon. Et donc là, très clairement, il faut toujours privilégier l'espace incorporé donc à l'image par rapport à votre espace de travail. Donc là, vous ne vous posez pas la question, vous faites préférer le profil incorporé et vous faites OK. Et regardez, si on regarde bien ici en bas, vous avez d'ailleurs, vous pouvez au niveau des paramètres ici régler pour avoir le profil document qui apparaît par défaut au niveau de l'affichage. Je suis bien en Profoto, c'est-à-dire que mon image a bien été développée de Lightroom vers Photoshop en Profoto, et pourtant, si je vais sur édition couleur, mon espace de travail par défaut, c'est bien la Adobe RGB.
Et c'est pour ça qu'il m'a alerté, attention Antonio, l'image que tu es en train de récupérer sur Photoshop, que tu as développée depuis Lightroom, intègre un espace incorporé qui correspond donc au Pro Photo, mais ton espace de travail, celle de RGB. Donc il faut toujours, toujours privilégier l'espace couleur intégré à votre espace de travail. Ça, c'est la première règle qui est très importante. Puisque si on revient maintenant sous Lightroom, ici, je redéveloppe la même image, donc module exporté en Adobe RVB. Utiliser les noms uniques puisque je développe plusieurs fois la même image, donc je lui demande de faire un doublon. Là, regardez, on est sous Photoshop et là, il ne m'a pas alerté. Donc, je n'ai pas eu de message d'alerte en disant incohérence entre l'espace incorporé à l'image par rapport à votre espace de travail, puisque j'ai développé mon image en Adobe RGB et mon espace de travail, ici, il est bien en Adobe RGB, donc il ne se pose pas la question. Si on revient maintenant sur Lightroom, je réédite avec le Pro Photo, par exemple. Hop. Là, il va très logiquement me poser la question. Et là, je dis, par exemple, puisque je ne suis pas informé, je ne sais pas trop comment me comporter. Et ce qui est dommage, c'est un peu piégeux, c'est que par défaut, Photoshop vous propose de supprimer le profil incorporé, pas de gestion des couleurs. Et c'est vrai que quand on n'est pas au fait de cette problématique, on peut se dire, ben, c'est par défaut, je fais OK, regardez. Je fais OK et regardez l'image. Si on compare par exemple donc au Pro Photo ici, donc avec l'option privilégier l'espace intégré par rapport à votre espace de travail, on a un bon rendu de la couleur. Par contre, regardez, en mettant supprimer, on n'a pas du tout le même rendu puisque regardez RVB sans descriptif. Et là, c'est la deuxième règle qui est très très importante. Il faut toujours, toujours, toujours qu'une image ait un espace couleur intégré. Sinon, Photoshop ne sait pas comment interpréter la couleur. Et c'est le cas, on a un résultat qui est tout à fait aléatoire, puisque si on compare avec une bonne gestion de l'espace couleur à gauche et une mauvaise gestion de l'espace couleur, puisque là, on a supprimé l'espace couleur intégré, vous voyez, la catastrophe est là, c'est très piégeux. Et c'est pour ça que des fois, au niveau de mes interventions auprès de certains d'entre vous, on me dit, je ne comprends pas, quand j'envoie de Lightroom vers Photoshop, le résultat obtenu sur Photoshop n'a rien à voir avec l'image de départ, en tout cas l'image traitée sous Lightroom. Et c'est donc lié tout simplement à une mauvaise gestion des espaces couleurs. Peu importe donc d'où viennent les images, peu importe quel espace couleur est intégré à l'image, que ce soit un espace RVB ou un espace 4 couleurs, il faut toujours privilégier l'espace couleur intégré à votre espace de travail, puisque sinon on modifie la colorimétrie des images. Et ça peut devenir très vite catastrophique quand vous travaillez à distance avec d'autres photographes qui ne travaillent pas forcément avec les mêmes espaces couleurs que le vôtre. Et donc ça, c'est très important. Donc, toujours privilégier l'espace couleur intégré à votre espace de travail. Et surtout, il faut toujours qu'une image ait un espace couleur intégré pour que les logiciels de prise en charge des images sachent comment bien interpréter les couleurs et comment bien les afficher. Et donc, on peut arriver à la conclusion et se dire, mais je ne comprends pas. S'il y a des règles très importantes de bonne gestion des espaces couleurs, comme la règle principale, il faut toujours privilégier les espaces couleurs intégrés par rapport à notre espace de travail, pourquoi on ne pourrait pas tout simplement éduquer donc les logiciels, par exemple dans ce cas Lightroom et Photoshop, à communiquer ensemble en leur imposant tout simplement ces fameuses règles. Et donc ça, c'est possible. On va tout simplement aller sur édition couleurs, ici. On va aller sur les paramètres personnalisés et on va aller chercher prépresse pour l'Europe 3, qui est une norme pour donc le prépresse européen, ici. Et donc regardez maintenant, règle de gestion des couleurs, conserver les profils incorporés pour le RVB, le CMYK et le niveau de gris. Au-dessus, on a l'espace couleur Adobe RGB, qui correspond encore une fois à mon choix technique. Après, vous pouvez très bien mettre le Pro Photo, c'est à vous de choisir. Mais moi, j'ai décidé de travailler avec Adobe RGB, donc j'ai bien l'Adobe RGB. Et là, encore une fois, j'ai par défaut conservé les profils incorporés. Ça veut dire que je dis tout simplement à Photoshop, tous les visuels que tu vas ouvrir maintenant depuis Lightroom ou n'importe quel logiciel de gestion d'export d'images, peu importe le profil couleur intégré, tu prendras toujours par défaut l'espace couleur intégré au visuel par rapport à ton espace de travail. Et donc si, et ça c'est logique, si je lui impose cette règle-là, je peux décocher, je suis à l'ouverture, puisqu'il le sait. Je ferme maintenant, et donc regardez, maintenant on va aller sous Lightroom. Ici, je vais développer cette image. Premièrement, on va prendre, si vous voulez, ici, hop. Je vais l'exporter en Profoto PSD 16 bits. Il l'a ouvert. Je reviens sous Lightroom et la même image, je vais l'exporter cette fois-ci en SRVB 16 bits. Il l'a ouvert et je reviens pour un troisième exemple. Allons jusqu'au bout.
édition exportée ici, cette fois-ci en Adobe RVB. Ok, et regardez, j'ai exporté depuis Lightroom le même visuel avec un Profoto, un sRGB intégré, un espace couleur Adobe RGB, et à chaque fois, systématiquement, j'exportais les visuels avec trois espaces couleurs différents, en intégrant donc trois espaces couleurs différents, et Photoshop ne m'a pas posé la question, puisqu'il le sait maintenant comment se comporter. Il a tout simplement respecté les règles que je lui ai imposées. Ici, on revient sur couleurs, regardez ici, conserver les profils incorporés, et arrête de me poser la question, puisque maintenant tu sais comment te comporter. Ensuite, vous avez un autre paramètre qu'il faut laisser cocher. Choix au collage, ça veut dire que quand vous faites des photomontages et que vous prenez des bouts d'images qui viennent d'un peu de partout, avec des images qui n'ont pas forcément le même espace couleur intégré et que vous les apportez dans votre image qui, elle, est en Adobe RGB, là, on a cette problématique donc de concordance des couleurs. Alors, je ne vais pas développer ici ce sujet parce qu'encore une fois, c'est toute une manipulation. Vous avez largement de quoi vous former si vous avez envie, en tout cas ceux qui veulent aller jusque-là. C'est surtout pour les personnes qui font des gros photomontages. N'hésitez pas encore une fois à aller sur mon site de formateur. Vous avez une formation sur la gestion des espaces couleurs et profils CC qui est très complète. Là où il faut faire très attention, c'est ici. Choix l'ouverture, profil manquant. Alors pour ça, on va faire des exemples. Je ferme tout ça. Hop. Cette fois-ci, on va ouvrir un visuel qui a déjà été travaillé avec Photoshop, que j'ai enregistré sur mon bureau. Donc, commande CTRL O, celui-ci. Hop. Et donc, regardez, il a automatiquement ouvert le visuel et pourtant, c'est une prise de vue qui intègre le Profoto RGB. Et encore une fois, mon espace couleur, ici, c'est bien donc l'Adobe RGB. C'est-à-dire qu'il a su maintenant, il a été éduqué pour bien se comporter. Il a respecté les fameuses règles. Sauf que regardez maintenant, sur cette prise de vue, je décide par exemple de faire une petite correction. Hop, je prends le blanc pour ouvrir un peu les blancs, les crêtes de lumière sur mes nuages, ici. Et je vais bleuter un peu l'ensemble, hop, par le gris, pas trop, un tout petit peu. Hop, je protège le bas. Hop, 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 ok. J'aplatis puisque je ne vais pas revenir en question sur, je vais pas remettre en question cette intervention. Et là, je fais donc un enregistré sous que j'ai appelé essai. Et regardez ici, vous avez un paramètre ici qu'il faut toujours, toujours cocher. Puisque si vous le décochez, j'enregistre sur le bureau. Hop, je fais ok. On va le réouvrir. Et là, hop, je prends essai. Et là, très clairement, il m'alerte puisque j'ai laissé dans mes options, j'ai coché donc l'option « Alerte-moi au cas où le visuel que je suis en train d'ouvrir n'intègre pas d'espace couleur ». Là, c'est le cas. Donc, le visuel ne contient pas donc, de profil incorporé RGB. Que voulez-vous faire? Donc là, très clairement, il ne faut pas cocher « Ne pas modifier » puisque ça veut dire qu'on rentre dans une gestion de la couleur totalement aléatoire. Vous pouvez attribuer un profil de travail Adobe RGB qui correspond donc à l'Adobe RGB, qui est le profil couleur par défaut de mon espace de travail. Mais si vous travaillez pour quelqu'un, un autre photographe, un collègue, par exemple, vous pouvez l'appeler, lui dire, écoute, moi, je viens d'ouvrir ton visuel et il manque donc l'espace couleur. Est-ce que tu peux me donner, m'informer de ton espace couleur de travail habituel? Il va vous dire, ah ben, je travaille avec le Profoto. Donc, quand c'est comme ça, vous attribuez un profil, vous faites OK et vous récupérez donc automatiquement les couleurs. C'est pour ça que pour respecter la deuxième règle très importante, qu'il faut toujours travailler sur une image qui a un espace couleur intégré, il faut toujours vérifier que ces paramètres soient toujours bien cochés. Donc faites attention à tout ça. Et d'ailleurs, dernière astuce avant de nous quitter, tous ces paramètres-là, n'hésitez pas bien sûr à les enregistrer. Vous allez sur édition couleur ici. Donc là, c'est les paramètres qu'on vient de modifier ensemble. Après, vous pouvez enregistrer ici. Vous appelez par exemple mon espace. OK, et vous faites enregistrer et vous retrouvez donc ici dans les paramètres mon espace. C'est-à-dire que si demain quelqu'un tripote votre ordinateur et qu'il ait modifié donc les paramètres, vous pouvez à tout moment revenir dessus et retrouver mon espace et donc retrouver vos paramétrages définitifs. Voilà donc les amis pour ce petit développé autour de la bonne gestion des espaces couleurs. Vous l'avez vu, c'est pas si compliqué que ça, il faut juste bien comprendre le fonctionnement. Alors j'ai pas voulu aller beaucoup plus loin puisque encore une fois c'est un thème qui demande beaucoup de temps puisque j'ai une masterclass donc très complète, mais en tout cas à travers ce partage vous avez déjà très largement de quoi bien intégrer, en tout cas l'intégrer déjà de bonnes notions et améliorer certainement votre flux de production. Donc voilà pour ce petit partage, n'hésitez pas donc à mettre en commentaire si ce partage vous aide maintenant à mieux comprendre
la fameuse gestion des espaces couleurs. Comment vous comportiez avant? Est-ce que vous étiez déjà formé à ce genre de problématiques? Quels étaient vos choix? Car c'est toujours très intéressant de partager avec la communauté. Et comme d'habitude, n'hésitez pas bien sûr à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour soutenir cette très bonne chaîne. Allez, on finit avec un peu de pub pour mon parcours photographie et créativité. Allez, à bientôt.